Audrey Debrenne, je suis la responsable du laboratoire France chez Stardust et je vais vous parler de l'une de nos approches, le bug bounty. Le principe du bug bounty, c'est à l'origine de récompenser les personnes qui ont trouvé des failles de sécurité ou des vulnérabilités dans un périmètre donné. Chez Stardust, le bug bounty fonctionnel est en fait une déclinaison de ce principe appliqué aux usages et aux fonctionnalités de vos services numériques. Pourquoi envisager du bug bounty? Beaucoup de marques optent actuellement pour du bug bounty car il comporte de nombreux avantages. Premièrement, le bug bounty vous permet de répartir les coûts de votre campagne QA sur du long terme. Deuxièmement, choisir le bug bounty vous permet une grande flexibilité en vous permettant de déterminer les critères et les priorités de test pour que cela réponde au mieux à vos besoins. Troisièmement, cette approche vous permet de maintenir la qualité de votre produit numérique et donc de lutter contre le départ de vos utilisateurs, améliorant ainsi votre taux de conversion. Enfin, le bug bounty donne la possibilité d'augmenter le niveau de qualité de votre processus QA en réalisant des tests en continu. Comment se passe une campagne de bug bounty? Un chef de projet Stardust va vous accompagner pour établir les détails et les priorités de la campagne de test et s'assurer qu'elle corresponde bien à vos besoins. Cela inclut la liste des fonctionnalités à tester, les configurations souhaitées, le nombre de testeurs, leurs spécificités, ainsi que le rythme des tests, qui peut être quotidien ou pendant seulement les jours ouvrés par exemple. Ensuite, les testeurs issus de notre laboratoire ou de notre communauté vont explorer votre site ou votre application à la recherche de bugs, puis les documenter et enfin les mettre à votre disposition dans notre bug tracker BugTrap. En conclusion, n'hésitez pas à faire appel à Stardust pour votre prochaine campagne de bug bounty.